Il y aura un petit continu. Ok, good. Alors, la dernière. Il a eu le respect de tout le monde, l'admiration de tout le monde, et il a travaillé mieux que n'importe qui. Donc c'était jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Il était là, travaillant. Sacré modèle de courage. Voilà. Voilà Denis, caricaturiste
portraitiste, un vrai dessinateur, parmi les meilleurs caricaturistes de la place de Tertre. Père de famille, et grand sportif, il adorait la boxe. Et il était fort, très fort, en amateur et en demi-pro. Denis, il était à l'aise dans le ring. C'était son royaume. Et dans le gym, avec des copains de boxe. Il a pratiqué presque tous les sports de combat. Le boxe thaï et le judo. Denis était un vrai guerrier. Mais il y a un grand combat, il a perdu. Un combat contre le cancer. Denis est décédé en février de cette année, 2013. Il avait 65 ans. Voilà, la deuxième. Voilà. Essayez de ressembler à votre caricature. Ouais. Hein. Vous aussi, vous. Voilà. Voilà, magnifique. Voilà. Voilà, tout va très bien. Voilà. Quatrième. La brune. La très brune. Voilà, elle est souriante. Elle est belle. Voilà. La cinquième. Non. La quatrième. L'avant-dernière. Ouais, c'est bien, ça ressemble. Oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Oui. Muy bien, Et là aussi, c'est bien, bravo. Voilà. Bravo les filles, merci. C'est divertido. Oui. Une expérience divertida. Alors, tu as connu Denis? Depuis combien d'années tu as connu Denis? Ah, ça remonte tant. Il y avait encore Jean-Claude, notre ami commun, Jean-Claude White, qui a fait un peu le lien entre nous deux. C'était dans les années, je ne sais pas quand Denis est arrivé ici, c'était peut-être avant les années 80 ou par là. Je n'ai pas, malheureusement, je n'ai plus la mémoire. Mais Denis, moi, on se connaissait bien, on s'appréciait. Je crois qu'il y avait surtout, tout de suite j'ai compris que Denis était un bagarreur, surtout le bagarreur dans la vie. Il aimait le voyage, il aimait découvrir, il aimait se confronter à,
à d'autres personnes. Il avait cette passion du voyage. Hein. Il a été en Asie, il a été en Afrique, il a été partout. Physiquement, il était très, très physique. Il aimait le sport, la boue, il aimait tout. Mentalement aussi. Il était très, très fort. Toi, tu l'as connu quand? Non, mais il a fait ça. Il a été... Oui. Moi, il me l'a dit très tard. On me l'a dit peut-être 2 ans. Et il le savait déjà depuis 2 ans déjà. Donc, ça fait 3-4 ans qu'il le savait. Et il avait, je ne sais plus, dans les conversations, je me souviens, il m'avait dit, si un jour je sais que je vais mourir, je crois que je me lancerai à l'eau d'un bateau, d'une île, et puis je nagerai jusqu'à la fin. C'est un gars, on pense à toi, Denis, là-haut, hein, on se reverra un jour, même si vous ne croyez ni à Dieu ni à diable, mais on a toujours des doutes, on ne sait pas. On doit penser qu'on va tous se retrouver en copains là-haut, et puis peu importe si on est végétaliste, bouddhiste ou brahmaniste, on s'en tape. Je crois qu'il y a un monde qu'on ne connaît pas, qui existe là-haut et qui s'appelle le paradis. Ben, Denis, à bientôt.